Le président fondateur de la Mission internationale de délivrance et de guérison, MIDG, et son épouse Mama Ruth ont été accueillis dans l'après-midi du jeudi 15 février au camp Bethel de Divo par les membres du conseil national de cette église pour l'ouverture de ce séminaire. Selon l'apôtre Kanga Manipul, l'initiative de ce séminaire ne vise pas seulement le renforcement des capacités spirituelles de ses enfants, mais aussi elle vise la réalisation de certains projets phares de la MIDG. Mais cette année, c'est avéré que nous faisons ici pour vraiment accomplir beaucoup de choses. Parce que le camp n'est pas encore construit, le temple, les écoles, l'hôpital, il y a beaucoup à faire. Donc, il faut faire ceci pour pousser aux gens aussi pour rentrer dans la bénédiction. Parce que c'est comme ça. Quand tu sais Dieu que tu ne donnes rien à Dieu, Dieu ne te bénit pas. Il faut donner quelque chose à Dieu selon ce qui est sur ton cœur. Plus cher, quand tu donnes à Dieu, Dieu aussi en retour, il te bénit. Ce séminaire de la MIDG va se tenir sur 3 jours sous le thème « Honore l'Éternel avec tous tes biens ». Ce thème sera traité par 3 orateurs qui auront la lourde responsabilité en présence du couple fondateur d'amener les fidèles à comprendre le sens réel du donner pour l'œuvre de Dieu selon la Bible. Pour le comité d'organisation, la grande mobilisation à cette ouverture est un signe qui traduit l'atteinte des objectifs assignés par le fondateur de la MIDG. Le peuple de Dieu a répondu vraiment à l'appel qui a été lancé. Et par la grâce du Seigneur, un appel de mobilisation de fonds a été aussi lancé. Et le peuple du Seigneur a répondu favorablement vraiment à notre appel. Nous sommes vraiment émus. Le leader du camp Bethel qui abrite ce séminaire s'est également félicité de la belle mobilisation à cette ouverture. C'est une joie parce que le peuple de Dieu a répondu à l'appel. Je voudrais dire merci à Dieu. Si le peuple n'est pas enseigné, il ne peut pas adorer Dieu. On doit adorer Dieu avec nos biens. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Ils pensent qu'adorer Dieu, c'est venir s'asseoir, danser et acclamer. Adorer Dieu, c'est encore avec nos biens. La deuxième journée du séminaire sera consacrée à un culte de moissons au cours duquel les fidèles auront l'occasion de pratiquer les enseignements reçus avec leurs biens, en nature comme en espèces, en vue de faire réaliser les projets cités par le fondateur de la MIDG pour la gloire de Dieu.